aujourd'hui du 30, samedi 30 août 2014, pratiquement il est 14 ans notre montre. Nous procédons à la délivrance d'une folle, d'une femme qui a atteint une folie. Voilà, pour dire qu'elle serait dans ce temps-ci guérie. Donc c'est l'élément vidéo avant et après, il y aura après. Pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, donc ici c'est comme ça. C'est Peniel, c'est un centre de prière de délivrance. Et quand les fous, les personnes atteintes de folie arrivent ici, le Seigneur les délivre. Donc voici un cas. Et vous allez voir après, dans les temps qui vont suivre, Dieu fera des grands miracles. Rachel, tu t'assois. Tu t'assois. Assois-toi. Assois-toi. Kousama. Assois-toi. Voilà. Kousa. Tu t'assois. Voilà, tu t'assois. Avant, elle était violente, c'est ça? Depuis 2008, là, si, là, les choses ont commencé à s'arrêter. Oui, ça s'est calmé progressivement. Oui, progressivement. Et tu vas voir que, je t'ai dit tout à l'heure, elle va commencer à avoir la conscience. Tu vois? Donc, j'ai fait exprès pour te demander, il faut t'asseoir seul. Maintenant, c'est des processus. On a commencé avec une action prophétique. Aujourd'hui, c'est fini. Quand tu vas commencer, tu vas voir que les jours qui vont suivre, tu vas causer parfaitement avec elle. Et ça va aller comme ça. Ici, il n'y a plus que ça qui est arrivé ici. Jésus-Christ a guéri, délivré. Je proclame la délivrance de cette sœur. Je vous commande, dans le nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme. Vous allez me libérer son âme. Je délivre son esprit. Commande au nom de Jésus-Christ, de lâcher son âme. Commande 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 de lâcher son âme. Vous libérez son âme. Dans le nom de Jésus-Christ, je délivre son âme. 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 Maintenant même, vous lâchez son âme. Vous lâchez son âme. Vous lâchez son âme. Commande aux esprits, dans sa conscience. Et de son subconscient, j'entends nos esprits de la folie de la lâcher au nom de Jésus. Je commande aux esprits de la sorcellerie de lâcher son âme. Allez! Commande au nom de Jésus. Vous libérez son âme. Vous libérez son âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance maintenant. Je proclame sa délivrance maintenant. Je proclame sa délivrance et maintenant même, vous lâchez son âme. Lâchez, elle s'appelle Rachel, c'est ça? Oui, oui. Vous lâchez la lame de la Rachel. Vous m'entendez? Laissez Rachel. Libérez-la. 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 Elle a un foyer, elle a des enfants. Elle doit regagner son foyer. Elle doit retrouver ses enfants. Je vous commande dans le nom de Jésus. C'est à cause d'elle, Jésus est monté à la croix. Et la puissance du nom de Jésus la libère maintenant. Jésus a versé son précieux sang pour la délivrance de cette sœur. Alors je vous commande de la lâcher. Libérez Rachel. Libérez-la maintenant. Vous les démons, partez. Voilà, partez. 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 Maintenant, c'est un ordre. C'est un ordre. Libérez sa vie. Je vous commande de lâcher sa vie. Je vous commande de libérer sa vie. Libérez-la maintenant même. Maintenant même, vous la lâchez de suite. Je vous commande au nom de Jésus. 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 Lâchez-la. Libérez son subconscient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libérez sa vie maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez plus de pouvoir, autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir d'autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir d'autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir d'autorité sur sa vie. Vous n'avez plus de pouvoir et d'autorité sur sa vie. Oui, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de lâcher son âme. Je vous ordonne de libérer sa vie. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Lâchez-la. Je la délivre.
Je la délie. Je la délie maintenant. Je délie son âme. Je la déchaîne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire vos œuvres. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je proclame sa délivrance. Dégagez! Et libérez sa conscience. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la au nom de Jésus. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Vous la lâchez maintenant. Vous libérez son âme et maintenant. Vous libérez son âme et de suite. Vous la lâchez maintenant. La puissance de Dieu se manifeste dans la vie de cette sœur. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance maintenant même. Maintenant même. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Je libère ta conscience. Je libère ton subconscient. Au nom de Jésus, l'esprit te lâche. Vous les démons, vous la lâchez. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Vous libérez son âme. Vous libérez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance 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 de Jésus te libère maintenant. 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 Je proclame ta délivrance. On peut avoir une bouteille de Dieu. Non, si, c'est ce que je veux. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Maintenant. 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 Maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous arrache cette vie. Oui. Elle ne sera plus votre esclave. Oui. Jésus régnera sur cette vie. Vous les démons. Vous ne serez plus maître de cette vie. Jésus sera Seigneur. Jésus sera le maître. Il régnera en maître sur cette vie. Et ce corps sera désormais le temple du Saint-Esprit, non pas une habitation des démons. C'est pour cela que je vous commande de lâcher Rachel. Libérer sa conscience. Elle a besoin de changer avec ses parents, sa famille, retrouver sa dignité au nom de Jésus. Elle doit retrouver sa dignité. Et les minutes qui vont suivre, les uns qui suivront, sa délivrance est proclamée. Sa délivrance est proclamée. Parce que le Fils de Dieu, qui est Jésus, est apparu pour détruire vos œuvres. Il dit, je suis l'Esprit du Seigneur ainsi moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Je la libère au nom de Jésus. Je proclame en ce jour, en cette date, la délivrance de cette sœur. Qu'elle retrouve sa conscience dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Je te communique une onction de guérison au nom de Jésus. Sois guéri, sois libéré, totalement libéré de cette folie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Parce que nous t'avons vaincu démon à cause du sang de Jésus-Christ. Nous t'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Je proclame la puissance ou le règne de Jésus. Que ton règne vienne, Jésus-Christ. Règne en maître et donne gloire à ton nom. Tu es Seigneur et puissant. Tu seras toujours glorifié. Parce que tu es le même. Ce que tu as fait hier, tu le feras aujourd'hui. Et éternellement, tu opéreras des miracles. Tu n'as pas changé, Jésus. Puissant, tu es Seigneur. Capable de guérir. Nous croyons fermement à la guérison de cette sœur. Nous croyons fermement à sa délivrance. Parce que tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Merci pour sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Rachel, recouche-toi. Rachel. Rachel, couche-toi. Rachel. Rachel, couche-toi. Rachel, couche-toi. Recouche-toi. Rachel, couche-toi. Couche-toi. Pona. Ah, d'accord. Voilà, Paul. Ma po. Pona. Po. Voilà qui est en capo. Voilà qui est en capo. Vas-y, parle. Po, po, voilà qui est en capo. Po.
Il y a le cuillère même qui a goûté. Pona. Po. Vas-y. Po, po, po. Prends un capot. Po. Mets le cuillère en capot. Ok. Il y a le cuillère même qui a goûté. Po. Ok. Po. Pona. Po un capot aussi. Po. Po manco aussi. Po. Prends un capot. Pona. Ma po, pour manquer quoi si c'est? Po, prépo, prépo, oda, oda, prépi en capo. Laisse la délivrer. D'accord. Mais, quand tu marches avec Dieu, deviens un homme surnaturel. Dieu, c'est le surnaturel. Si vous voyez, regardez charnellement, vous allez prendre un coup. Moi, je la vois comme une femme guérie. Et on lui montrera plus tard sa vidéo. Voilà. Ici, déjà, beaucoup de personnes ont été guéries. Au départ, elle criait, n'est-ce pas? On a commencé à mettre de l'huile. Il y a une étape. L'étape va venir. Dieu est en train de faire quelque chose pendant qu'elle assise. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans son subconscient. C'est des démons. Et c'est des démons. La folie, c'est des légions de démons. Voilà. Ils vont partir. Voilà. Les temps qui vont suivre, tu vas voir. Les choses iront mieux. Le temps de causer avec elle. Mais elle peut boire. Mm-hmm. Elle peut maintenant boire. Même du café. Non. Même les anticréries. De l'eau. De l'eau sauce. Elle ne fera que boire de la bouillie à partir de lundi. Commencez la donner à manger lundi. Lundi. Je lundi qui vient. D'accord. Après dimanche. Oui, après dimanche. Après. Voilà, shalom. Dieu est un Dieu de miracles. Nous sommes à Penuel. Nous sommes en train de prier pour une malade. Et c'est ça la compassion des âmes. Juste après une funéraille, elle se retrouvait dans l'état de la folie. C'est ça, monsieur? C'est ça. Comment vous pouvez expliquer quelque chose par rapport à son... Bon, mais c'était le vendredi. Vous êtes son époux, c'est ça? Oui. Vous avez combien d'enfants, ça? Nous avons 8. D'accord, explique. Oui, oui. C'était sa maman qui avait perdu son mari. Mm-hmm. Et nous sommes allés au funérailles. Bon, moi, je lui ai dit que je venais dimanche. Elle est restée pour revenir après. Et quand je suis arrivé... Elle m'a dit qu'elle venait le dimanche prochain. Et subitement, bon, elle arrive lundi. Elle n'avait jamais fait des cris de folie. Non, jamais. Mais le lundi, bon, quelqu'un m'apprend que ah, il a vu ma femme à Yokobo. Il dit non, 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 c'est pas ma femme que tu as vu. Ma femme a dit qu'elle vient dimanche prochain. Que je n'attendais même pas à ma femme. Bon, le mardi, dans l'après-midi, dans les 17h, elle arrive. Bon, les enfants ont préparé, elle refuse de manger. Elle arrive. Vous êtes dans quelle ville? Bon, moi, je suis de Yokobo, à 3 km de Yokobo, Yakassé. Que je connais bien Yokobo. Mm-hmm. La rue de Grand là-haut. Voilà, c'est ça. Et donc, on dormait. Bon, elle allait se coucher. Dans la 23h du matin, bon, j'étais en plein sommeil. J'ai remarqué que ma femme a été de taper le lit. Boum, 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 boum. Je suis sorti. J'ai dit, mais Graché, qu'est-ce que tu fais? Tu as quoi? C'était fini comme ça. Elle a perdu la raison. Elle a perdu la raison. J'ai dit, mais comment? Tu veux quoi? Même mon. Bon. Un moment, bon, ça m'a énervé, j'ai même porté main pour dire que c'est pas la peine. Pourquoi tu es en train de me harceler? Voilà. Et donc c'était parti. Bon, moi j'ai pris ça, bon, pour un petit truc. Bon, ça a dégénéré comme ça. Ça fait combien de temps il est comme ça? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, bon, c'était le mardi dernier que ça avait commencé. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que... Bientôt 2 semaines. Bon, peut-être deux semaines. Vous croyez à la guérison de toi? Bien sûr. Merci. Elle sera guérie. Nous te rendons la gloire, Seigneur Jésus. Nous croyons fermement, Seigneur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que le juste vivra par la foi. C'est la foi qui fait vivre le juste. Nous croyons tellement ce miracle. Et nous te rendons toute la gloire. Merci de l'opérer, Seigneur. Et donne-nous la joie à son époux et toute sa famille. À toi la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Voilà, je sens que tu peux me donner...